Ça fait environ 4 ans que je danse. Au début, j'ai commencé dans un groupe qui s'appelait 974 Star. J'ai dû faire un an et demi dans ce groupe-là. Puis après, je suis parti au tampon dans un groupe qui s'appelait Double Danger. Mes débuts, c'était plutôt dans ma cour tout seul. Après, j'ai trouvé un groupe. Et c'est, disons, en regardant des vidéos, des films comme Sexy Dance ou Street Dance, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de danser. Au début, l'hip-hop pour moi, c'était juste un loisir. Et puis, petit à petit, c'est transformé en passion. Dans cette activité, j'ai participé à plusieurs événements. BBS International, le BBF, B-Boy France. En termes hip-hop, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est participer au Red Bull BC One, enfin peut-être un jour. Et c'est pour ça que je vais m'entraîner justement. C'est la compétition 1 contre 1 que je voudrais bien remporter un jour. Déjà, être B-Boy, enfin gagner la compétition en France, ça serait vraiment bien. Et si je pouvais arriver à l'international, ce serait... Oui, je suis fier de représenter ma ville Saint-Pierre et je suis fier de représenter aussi Basse-Terre dans le hip-hop parce qu'il n'y a pas trop de b-boys qui représentent Basse-Terre, sont plutôt de Terre Sainte ou d'autres villes encore. Et du coup, si je pouvais représenter mon quartier à l'international, ce serait vraiment bien. Et ce que je conseillerais aux personnes qui voudraient débuter le hip-hop, ça serait de se fixer un objectif et se donner les moyens d'y arriver, c'est-à-dire de s'entraîner. Et même si on tombe plein de fois, il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours continuer jusqu'à réussir. Il faut persévérer toujours. I'm